ce que tu fais. Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, chantons alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Oh,
choisi, il m'a choisi, oui, il m'a choisi. Alléluia, alléluia, oui, il m'a choisi. Nous pouvons élever nos voix et bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. 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 Alléluia.
notre cœur. Que nous pouvons dire merci à Dieu. Il est digne de louange et digne d'honneur. C'est à lui que nous devons toute gloire. C'est à lui que nous devons toutes choses. À toi toute la gloire. Nous t'adorons.
Alléluia. Nous t'invitons en ce lieu. Viens et prends la place du roi. Viens et prends la place de l'autorité suprême. Viens et prends la place de majesté. Viens, Seigneur, que ton règne vienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Que ta splendeur, Seigneur, se manifeste. C'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons magnifier. Toi et toi seul. Au-dessus de nos pensées, au-dessus des hommes, au-dessus des réalités d'aujourd'hui, c'est toi et toi seul qui mérites d'être élevé. Et ces acclamations sont pour toi, ces cris de joie sont pour toi. Toi qui nous as aimés alors que nous n'étions pas aimables. Toi qui nous as choisis alors que personne ne pouvait nous choisir. Oh, toi qui nous as rapprochés de toi, nous qui étions séparés à cause du péché, à cause de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Nous sommes ton peuple, le troupeau dont tu es le berger. Merci de nous conduire. Et nous avons touché, nous avons goûté que tu es véritablement le bon berger qui prend soin de ses brebis. Merci Père. Bénis ce moment, bénis ce second service. Seigneur, nous voulons encore être à tes pieds pour répandre nos cœurs, contempler ton visage, contempler tes merveilles et aussi écouter ta parole. Sanctifie cette heure, Seigneur, et tire gloire de ce moment. Et nous savons, Seigneur, qu'à tes côtés, beaucoup, beaucoup de choses peuvent changer en nous et autour de nous. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue dans sa présence. Et shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Est-ce que vous pouvez souhaiter le shalom de Dieu à votre voisin de gauche, de droite? Amen. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche 10 décembre. Nous tendons vers la fin de l'année. Il ne restera plus après celui-ci que 2-3 dimanches et nous aurons clôturé. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous accueillir à ce second service. Le Seigneur nous a fait beaucoup du bien au premier et il va encore nous faire beaucoup de bien. Vous avez les salutations de notre pasteur Joseph Bondo. Il est là, il est bel et bien au milieu de nous. Il était là vendredi pour tous ceux qui étaient avec nous le vendredi. Donc, il est allé prêcher à la campagne, au culte campagne d'évangélisation de la parole du salut. Certains ont vu dans les réseaux sociaux, donc il devait prêcher aux deux cultes. Est-ce que nous recevons ces salutations ainsi que ceux de maman Gisèle? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés, soyez branchés. Et la même grâce qui est dans cette salle peut aussi vous atteindre si vos cœurs sont bien disposés. Amen. Dieu cherche des cœurs bien disposés. Amen. C'est comme une piste d'atterrissage bien déblayé. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Amen. Nous voulons juste rendre grâce au Seigneur pour les mariés d'hier. Nous ne savons pas s'ils sont là. Ruth et Gad Makamba, Merveille et Guy Baraka,
grâce et pas tout le monde t'es là. Gloria et Zacharie Ntumba. Est-ce que l'un des couples est là? Non. Que Dieu soit béni. Nous rendons grâce aussi pour le couple Pierrette et Gédéon Mangwala qui ont enregistré une naissance. Nous bénissons le Seigneur, c'est lui qui donne les enfants. Nous rendons grâce aussi à Dieu pour la famille Moudiantou. Elle n'est pas la seule, bien sûr, il y a plusieurs autres aussi qui ont été éprouvés tout au long de la semaine. Mais la famille s'y a envoyé l'action de grâce, les autres certainement, pour l'assistance de l'Église et le soutien pendant les funérailles de ceux qui ont perdu du décès de Papa Moudiantou et pour tous les autres. Amen. Et nous rendons grâce aussi au Seigneur avec nos amis de la Tanzanie qui ont leur fête nationale le 9 décembre, c'était hier. Alors vous tous qui nous suivez depuis Dar es Salaam, depuis Arusha, depuis Dodoma, en tout cas bonne fête de l'indépendance, que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, nous voulons passer à la consécration des enfants. Il y a quelques enfants qui seront présentés au Seigneur. Alors pendant que nous lirons leurs noms, les familles, nous vous prions d'approcher vos enfants. La famille Bandoukou consacre son enfant Bandoukou Cyprienne Nézane. La famille Bandoukou, si elle peut déjà s'avancer, oui, papa est là, et maman. La famille Moulondi consacre Prince Ilunga Moulondi, 5 mois et 23 jours. La famille Babengi présente ou consacre Benjamin Parfait Babengi, 1 mois et 28 jours. Nous ne les répéterons jamais assez. Nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les présentons devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même a été présenté. Et nous voulons nous lever tous ensemble en ce moment solennel et prier pour ces enfants, les recommander à la grâce du Seigneur. Nous tendons nos mains vers eux. Seigneur, merci pour ces enfants qui sont une pleine bénédiction pour ses parents. Aujourd'hui, ils ont la joie de les présenter devant toi par reconnaissance, parce que c'est toi qui donnes les enfants, mais aussi en implorant ta grâce pour les aider à les faire grandir, à les aider à devenir des fils et des filles du royaume, ô Dieu. Seule ta grâce peut les aider. Seul ton secours, tes moyens, tes provisions spirituelles, psychologiques, mentales, matérielles, Seigneur, peuvent les aider à réussir cette responsabilité dont tu leur demanderas des comptes, ô Dieu. Bénis ces enfants, pose tes mains sur elles, sur chacun d'eux. Éloigne de toutes sortes de maladies infantiles et toutes les attaques de l'ennemi, que ton sang les couvre. Bénis leur croissance. Nous les bénissons en ton nom et nous bénissons ces foyers respectifs au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rasseyons et nous vous rappelons que très bientôt, donc nous aurons notre soirée de Noël avec les enfants, le ministère auprès des enfants et ados, le jeudi 21 décembre. C'était initialement prévu le 20, mais vous savez que le 20, c'est un jour où tous les yeux sont braqués vers la réalité des urnes.
Alors nous avons décalé pour permettre à chacun d'accomplir son devoir citoyen. Et nous aurons notre soirée de Noël le jeudi 21 avec tous les enfants. Et le vendredi 22, nous reviendrons alors avec toute l'Église. Amen. Et nous reviendrons à la fin du culte pour nous communiquer. Nous sommes toujours dans notre programme de prière avec l'intercession stratégique. Et pour thème, ce combat ne nous appartient pas, mais au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bon culte. Enoch. Alléluia. Les psalmistes disent, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons manifester notre joie en nous tenant debout et nous voulons encore louer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons manifester notre joie en acclamant l'Éternel, en poussant des cris de joie? Nous voulons célébrer Dieu, l'élever et l'honorer. Amen, amen, amen. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin.
si tu es besoin d'un mariage, alléluia. Même si l'âge est avancé, oh, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer, oh, alléluia. Tu as un Dieu, alléluia. Un vocleur, Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, louons-le, alléluia. Oh, louons-le, alléluia. Hosanna. Il est bon de allez, louer va. Dieu, alléluia. Oh, louons-le. Jésus, alléluia. Après trois jours dans les tombeaux, alléluia. Il l'a revu, celui de Lazare, alléluia. Après quatre jours dans les tombeaux, alléluia. Il l'a revu, celui de Sarah, alléluia. On lui donna un fils, c'est Isaac et oh. Et moi je rappelle à Dieu, bien aimé chante alléluia. Écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Moi, je n'ai pas avion, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Hey, hey. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Moi, je n'ai pas villa, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Et je n'ai pas voiture, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Hey. Là-haut, on y va. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh. Et oh, nous voulons aller ensemble. Je veux y aller. Et je vais y aller. Y aller. Oh. Ma propre bonne à Yesu. Y aller. Oh. Je vais aller haut, je vais aller haut, je ne veux pas rater le ciel, n'a pas sans rater, oh je vais aller, alléluia, je vais aller, oh, je vais aller, y aller haut. Beta pe ma boko eza esengo moninga e. Osalela nzambe eza esengo moninga e. Okanga pe amene eza esengo moninga e. Osalela nzambe eza esengo moninga e. Otala ndenge na koma. Aliva. Etala ndenge na koma. Aliva. Sila na koma, gebu gebu gebu, oh gebu gebu gebu, gebu gebu. Ah, nous dansons gebu gebu avec la chorale, on y va. C'est la louange qui brise les chaînes. Eh, kosale la nzambe za esengo moninga eh. Kosale la nzambe za esengo moninga eh. Kosale la nzambe jeune za esengo.
esengo moninga eh osalela nzambe za esengo moninga eh koluka nzambe na bosolo za esengo moninga eh osalela nzambe za esengo moninga eh koto samalo bana nzambe za esengo moninga eh osalela nzambe za esengo moninga eh talandenge na koma gebu 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 talandenge na koma talandenge na koma olela esina na koma haleluya halongola ngana seo apesa nga valere akomisa nga mosalie akomisa nga mosalie talandenge na koma talandenge na koma talandenge na koma haleluya talandenge na koma. Il est digne d'honneur, il est digne de gloire, il est digne de nos acclamations. Jésus! Alléluia! Alléluia! Kosalela nzambe za esengo mingi. Il a dit à Marie, tu as choisi la bonne part. Et nous aussi, ce dimanche, nous avons choisi la bonne part de venir dans la présence de Dieu et de lui donner la gloire qui lui est due. J'élèverai ma voix pour le louer, pour l'adorer, car il est saint, saint. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et adorer le Dieu saint? Je lèverai ma voix pour le louer, car il est saint, saint. Car il est saint, saint. Il est digne de gloire et de louange, et nous chantons saint, saint. Et nous chantons saint, saint. Je voudrais encore le dire. Oh oui. Je lèverai ma voix pour l'adorer, oui car il est saint, saint. Oui car il est saint, saint. Oh, il est digne de gloire et de louange, oui je chante saint, saint. Oh oui je chante saint, saint. Je louerai. Sur le trône, sur le trône, je l'adorerai, je l'adorerai et le louerai. Lui seul, lui seul, celui qui était, qui est, qui celui vient, qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant son trône, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Oh, je louerai. Il est assis sur le trône. Je l'adorerai. Je l'adorerai et le louerai. Lui seul. Lui seul. Celui qui était, qui est, qui vient. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône. À jamais. À jamais, à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent, oui en disant saint, saint. Oui en disant saint, saint. Ah oui. Et nous les peuples choisis, nous t'adorons, oui en chantant saint, saint. Oh oui en chantant saint, saint. Je louerai. Je louerai l'agneau de Dieu assis, assis sur le trône. Sur le trône. Je l'adorerai. Je l'adorerai et le louerai. Lui seul. Lui seul. Celui
Je chanterai devant son trône. À jamais. Oh, je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai et le louerai. Lui seul. Je chanterai devant son trône à jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix, honorer le Seigneur? Éternel Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever la sainteté de l'Éternel ce matin? Ouh! Éternel Dieu Tout-Puissant, est-ce qu'on peut élever la sainteté de l'Éternel? Allons-nous tous ensemble, alléluia. 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 Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire, tu es. Yahweh biso toko tombola titina yoye. Proclamons-le. Yosani Zambé.
des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Merci. Merci Jésus. Tu es saint. Tout ce que tu fais est saint. Tout ce que tu veux est saint. Tout ce que tu es saint. Merci Jésus. Amen. Avant de présenter l'orateur du jour, nous demandons au propriétaire du véhicule Toyota Fortuner de couleur noire, immatriculé 2989PK01. Le propriétaire du véhicule Toyota Fortuner noire, immatriculé 2989PK01, de bien vouloir déplacer le véhicule pour permettre d'autres personnes de sortir. Ça nous est venu depuis bien longtemps. S'il peut avoir l'amabilité de libérer le passage. Amen. Oui, nous voulons écouter la parole du Seigneur. C'est le moment, c'est le temps favorable. Et le Seigneur a pourvu, il a envoyé un serviteur de pas très loin, donc d'une de nos églises, à la fois sœur dans la communauté des assemblées de Dieu, mais fille, parce qu'elle est aussi sortie d'ici. Donc c'est le pasteur et docteur, parce qu'il est médecin, chirurgien, lui-même. On parlera peut-être un petit mot, mais il est aussi pasteur et enseignant à l'Institut biblique, que ce soit Massina, donc aux instituts de théologie. Donc il s'agit du pasteur docteur Mwepu Idespald. Donc il nous vient de la 37e, donc de l'église 37e communauté, c'est notre communauté, La Trinité, centre évangélique francophone La Trinité, à Rigini, donc vers le rond-point Gaba, sur l'avenue Béni. Et par la même occasion, nous voulons profiter de sa présence pour saluer le pasteur responsable de cette église, le pasteur Barthélémy Maswaku, qui a bien voulu nous prêter un de ses collaborateurs. Amen. Est-ce que vous les saluez par... Amen. Et le révérend pasteur Mwepu n'est pas venu seul. Il est venu avec une petite délégation, bien accompagnée, bien avec son épouse, maman Francine Mwepu. Et le docteur a aussi engendré des docteurs, donc il y a docteur sa fille Cynthia Mwepu, médecin bucco-dentaire, et aussi à côté d'eux il y a un ancien de l'église, papa Jules Mounounou. Donc docteur, nous sommes dans la joie de vous accueillir. Dites-nous le conseil de la part du Seigneur. Shalom, et nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois, le Seigneur de gloire, celui qui nous réunit ce dimanche. Grâce à lui, nos noms sont inscrits au ciel. Nous sommes ses prémices. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ces moments. Je rends plutôt d'abord grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous.
je ne voudrais pas faire de commentaires. Devant vous, effectivement, nous sommes issus de cette église et je sais comment ça a commencé. Où nous en sommes aujourd'hui, c'est parce que cette église a été implantée et l'a donnée. En médecine, nous donnons des métastases, mais les métastases sont méchantes, hein? Mais les bonnes métastases, plutôt des églises, des communautés chrétiennes qui s'épanouissent. Amen. Merci pour le pasteur Joseph Bondo qui nous a cédé sa chaire. Merci pour tout le comité pastoral, tout le comité de l'église, tous les membres de cette église et ceux qui nous suivent dans les médias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez aussi les salutations de notre pasteur Barthélemy Massoko et de toute notre église, les Trinitaires, comme nous le disons régulièrement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, nous allons lire la parole de Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Mais avant de lire, nous devons nous recommander entre les mains du Seigneur. Que chacun de nous demande au Seigneur d'ouvrir ses yeux afin qu'il comprenne, qu'il contemple, afin que nous contemplions les merveilles de sa loi. Sa parole nous bénit abondamment. Sa parole nous fait beaucoup de bien, qui nous enseigne le bon sens et l'intelligence. Et ce que nous devons faire, ce que nous devons lui demander, nous devons obéir à toute la parole de Dieu. Et pour cela, nous devons créer une intimité profonde afin qu'il nous éloigne des choses apparentes, d'une spiritualité superficielle et d'une sagesse apparente. Qu'on dise de nous que nous sommes effectivement ses enfants, parce que nous avons écouté sa parole, nous l'avons mise en pratique pour notre bénéfice et pour le bénéfice de toute l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons l'épître de Jacques, le chapitre 1er, à compter du 2e verset. Je lis au nom du Seigneur. C'est une longue lecture, hein? Nous allons la répéter à deux reprises, en grande ligne, pour nous situer. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que
personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Acclamons pour la parole de notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Le thème de mon message d'aujourd'hui est le suivant: l'influence des épreuves et des tentations sur la maturité spirituelle. Dans mon introduction, je vais parler d'une personne très particulière. Je vais donner le contenu, ses destinataires, et je finirai par les objectifs sous forme de terre, sous forme de sous-thème. Quelle est cette personne? C'est une personne qui, après la naissance virginale de notre Seigneur Jésus-Christ, est venue au monde et il n'était pas seul. Il avait des frères et sœurs. Quatre de ses frères sont cités. Les frères de Jésus sont cités. Je parle particulièrement de Jacques. Jésus était son frère aîné. Joseph et Simon, et Jude, le cadet. Ce que nous devons savoir, que c'est lui l'auteur humain. Nous connaissons l'auteur des Écritures, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est passé par le propre frère de Jésus, qui est Jacques. Et il a écrit ce qu'on appelle une encyclique, une épître générale. À qui? Adressé à qui? Cette épître générale était adressée à ses frères juifs de la diaspora qui étaient en proie aux épreuves et aux tentations. Aujourd'hui, cette épître s'adresse à nous qui sommes en proie aux épreuves, mais aussi en proie aux tentations, qui nous décourage, qui nous égare, qui nous rétrograde. Mais nous devons savoir aussi une chose, que Jacques a été élevé dans la même famille que Jésus. Curieusement, lui et ses frères ne croyaient pas en Jésus. C'est après la résurrection du Seigneur que Jacques devint croyant. Pourquoi? Aussi parce que le Seigneur, après sa résurrection, l'avait rencontré. Et cette rencontre avec son propre frère, le Seigneur ressuscité, qui l'amena à la foi, qui sauve. Et voilà comment il est devenu croyant. Jacques a exercé dans l'église de Jérusalem d'importantes responsabilités. Mais dans l'église de son époque, il joua aussi un rôle très important. Son influence était grande. Il était considéré comme une colonne de l'église. Et il dirigea le concile de Jérusalem. Sa lettre, c'est un enseignement. Enseignement pratique sur la vraie foi, sur la vraie sagesse et sur la vraie religion.
Mais quand vous lisez très bien l'épître de Jacques, il y a une exhortation très sévère sur la sainteté pratique et la maturité chrétienne. Par ailleurs, cet épître nous montre comment la foi et l'amour chrétien doivent s'exprimer dans tous les domaines de la vie. Nous sommes en train de nous examiner comment l'amour, la foi s'exprime dans tous les domaines de la vie et dans diverses situations. Par exemple, dans les domaines des épreuves et de la tentation, l'influence de la patience dans les épreuves et dans les tentations, l'usage de la parole, nous parlons beaucoup, surtout cette période, la sagesse dans l'usage de la parole. Et sur le plan de la situation financière, il parle des riches et des pauvres. Aujourd'hui, ce qui a attiré notre attention, ce qui attire notre attention, ce sont les épreuves et les tentations. Voilà pourquoi nous vous proposons ces deux thèmes. Supporter les épreuves avec foi et surmonter les tentations avec fermeté. Mais le plus important, nous devons découvrir derrière ces sous-thèmes les ordres du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Nous allons le découvrir à travers chaque sous-thème, les deux. Le Seigneur nous ordonne certaines choses. Bien-aimés, Dieu bénit ceux qui endurent patiemment les épreuves et qui supportent fermement les tentations. Et quand nous avons la vraie foi, entraîne le changement de comportement. Surtout quand c'est guidé par la sagesse divine. Et ce comportement doit s'exprimer, se manifester par une vie pieuse. Les épreuves nous sont données dans les 12 premiers, à partir du deuxième verset jusqu'au 12e verset. Nous relisons, c'est pour nous situer dans le contexte. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise
à ceux qui l'aiment. Quel est le premier ordre? C'est dans le verset deuxième que nous trouvons le premier ordre. Le Seigneur nous ordonne de supporter avec joie les épreuves auxquelles nous sommes exposés. Vous allez vous demander de répéter. En quoi consistent les épreuves? Les épreuves, ce sont des difficultés, ce sont des problèmes, des choses qui nous dérangent, mais qui nous viennent de l'extérieur. Au sein du couple, dans notre famille, dans notre église, dans le milieu professionnel où nous œuvrons, sous quelle forme? Sous forme de maladie, sous forme de conflit, sous forme de rejet, sous forme de divorce, de perte d'emploi, de perte des personnes qui nous sont très chères. Et quand nous examinons, nous nous trouvons dans cette situation, réexaminons très bien quelle est notre réaction. Notre réaction est presque toujours négative. Elle est presque toujours négative. Et cette réaction négative est caractérisée par des murmures, on murmure, par des plaintes, par des découragements, par l'amertume qui remplit nos cœurs. Et on va plus loin, on cherche à se venger, à faire du mal, ou on s'isole, on abandonne tout, on renonce aux choses qu'on faisait, et j'en passe. Bien-aimé, est-ce que cette réaction négative favorise-t-elle la maturité chrétienne? Non, elle ne favorise pas la maturité chrétienne. C'est Dieu. Les épreuves viennent de Dieu. C'est Dieu qui permet qu'elles surviennent dans nos vies. Et c'est dans quel but? Vous avez des épreuves, vous traversez des épreuves, Dieu est en train de poursuivre. Primo, que nous puissions découvrir ses desseins. Qu'est-ce qu'il est en train de poursuivre avec nous? Qu'est-ce qu'il cherche à accomplir avec nous? Et d'autre part, il nous aide à développer notre caractère chrétien. Dieu cherche à faire quelque chose d'une part et d'autre part, il cherche à développer notre caractère chrétien, si nous le sommes du moins. Le caractère chrétien, Dieu cherche à développer en chacun de nous la ressemblance à Christ. On peut dire amen. Bien, les épreuves, nous le savons, elles sont désagréables. Mais plus tard, ceux qui traversent les épreuves, c'est toujours désagréable. Mais plus tard, ça on l'oublie souvent. Elles produisent quelque chose pour ceux qui le regardent avec joie. Elles produisent les fruits de justice, les fruits de l'esprit. Donc c'est donc une expérience à laquelle il ne faut jamais renoncer, à laquelle il ne faut jamais déroger. Quand vous traversez les épreuves, qu'elles soient désagréables ou pas, plus tard, «
Il y a des bonnes choses qui vous arrivent. Excusez-moi. Bien. Je suis allé très vite. Excusez-moi. D'accord. J'ai sauté très vite. Pardon? Non, non, c'est pas ça. Hey. Excusez-moi, je me suis égaré. Je suis allé très vite. C'est curieux. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je me suis... Bien, on continue, excusez-moi pour ce... Bon, ok, d'accord. On continue, excusez-moi, je suis un peu... Voilà. Généralement, notre réaction est négative devant les épreuves. Elle est caractérisée par des plaintes, de découragement, d'amertume, de vengeance, d'isolement et d'abandon, de renoncement. Cette réaction ne favorise pas la maturité chrétienne. C'est Dieu qui permet que les épreuves surviennent dans nos vies. C'est pour que nous puissions découvrir, d'une part, ses desseins, qui s'accomplissent en nous, et d'autre part, ils nous aident à développer notre caractère chrétien. Cela veut dire que Dieu cherche, il cherche à le développer en chacun de nous la ressemblance à Christ. Les épreuves d'habitude sont désagréables, mais plus tard, elles produisent, pour ceux qui le regardent avec joie, les fruits de justice. Les fruits de l'esprit. C'est donc une expérience à laquelle il ne faut jamais renoncer. Voilà pourquoi nous ne devons plus regarder les épreuves comme des afflictions ou des ennemis, mais plutôt comme des opportunités
ou des tests ou des amis qui nous poussent à réussir, à être agréables et honorés par Dieu. Mais pour que ces tests produisent une réussite agréable à Dieu et qu'ils nous honorent, il faut trois conditions. La première condition, c'est avoir une bonne attitude dans les épreuves. La deuxième, il faut relever les bénéfices des épreuves. Et la troisième, il faut s'appuyer sur une aide sûre. Quelle est la première condition? C'est avoir une bonne attitude dans les épreuves. Quelle est cette bonne attitude? C'est la joie. Une bonne attitude est de considérer les épreuves comme des tests d'endurance, des opportunités qui nous poussent à nous réjouir. Ce sont des sujets de joie. Ce ne sont pas des malédictions. Ce ne sont pas des punitions. Encore moins des tentations intérieures ou des incitations au péché. Mais comment pouvons-nous expérimenter de la joie dans des situations qui ne nous plaisent pas? C'est la deuxième condition. Les bons côtés. Nous devons considérer les bons côtés, les bénéfices, les avantages des épreuves, dis-je. C'est la patience et la maturité spirituelle. Ça, nous trouvons dans les versets 3 et 4. Lorsque nous acceptons les épreuves de la bonne façon, c'est-à-dire avec joie, elles produisent en nous quelque chose, une endurance, une patience à toute épreuve. Par conséquent, lorsque nous nous investissons avec foi dans les épreuves, la patience ou l'endurance persévère avec progrès. Peu importe l'intensité des difficultés. Enfin, la patience qui persévère avec progrès, qu'est-ce qu'elle produit? La maturité, l'épanouissement spirituel. En d'autres termes, le fait d'accepter avec joie les épreuves et de persévérer avec patience, c'est un but qui est noble et c'est le principal but qui nous permet d'atteindre la maturité spirituelle voulue par notre Seigneur. Et cette maturité va se manifester par une perfection totale et un développement harmonieux dans chaque domaine de nos vies. Vous avez une amitié, ça sera une amitié épanouie, un couple épanoui, une famille épanouie, un ministère épanoui. Vous avez des entreprises, ça sera des entreprises épanouies. Sur le plan professionnel, vous serez épanoui. Des études que vous entreprenez, quelles qu'elles soient, vous serez épanoui. En somme, qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons des chrétiens vraiment mûrs, sans faillir en rien. Nous devenons vraiment ce que Dieu veut que nous soyons. Mais ce n'est pas toujours facile d'accepter avec joie et de persévérer dans les épreuves. Ce n'est pas facile. Ceux qui traversent les épreuves comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi nous avons besoin de la troisième condition, une aide sûre. Aujourd'hui, je peux dire que je suis joyeux, que ma patience progresse jusqu'à maturité, mais il me faut quelque chose d'autre, une aide sûre.
C'est la troisième condition. La troisième condition, c'est l'aide dans les épreuves. Quelle est l'aide dans les épreuves? Vous traversez des épreuves. Quelle est votre aide? C'est la sagesse. Bien-aimé, si quelqu'un d'entre nous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, c'est la parole de Dieu qui le dit. L'aide sûre, nécessaire et obligatoire, l'aide indispensable et incontournable, c'est la sagesse. Donc c'est une ressource nécessaire et très précieuse pour nous. La sagesse se trouve auprès de Dieu. Voilà pourquoi il faut la demander. Et Dieu l'accorde gracieusement. Dieu l'accorde généreusement. Mais maintenant, il faut recevoir cette sagesse. Que faut-il pour recevoir cette sagesse qui vient de la part du Seigneur? De la sagesse divine. Il nous faut remplir trois conditions. La première condition, c'est la foi. La deuxième condition, c'est l'espérance. La troisième condition, c'est l'amour. Ce sont aussi des obligations. Je n'ai pas voulu utiliser le même terme. Première obligation, demandez avec foi sans douter. Nous devons, quand nous demandons quelque chose, nous ne devons pas douter. Parce que celui qui s'approche de Dieu avec des doutes, il est comparé à un ivrogne. Avec des agitations, il est vacillant, il est chancelant. Cet homme est irrésolu, est inconstant dans toutes ses voies. Il est à la fois optimiste et pessimiste. C'est paradoxal. Une telle personne ne peut pas être agréable à Dieu. Nous devons savoir qu'une chose, quand on s'approche de Dieu, quand on demande quelque chose à Dieu, nous faisons des requêtes à Dieu. Tout dépend de notre assurance en lui. On ne peut pas demander quelque chose à Dieu et sans être sûr. La deuxième obligation, nous devons faire preuve d'espérance. C'est dans les versets 9 et 11. Quelle que soit la position sociale et financière, tout croyant a droit à des bénédictions éternelles. Le pauvre, nous avons lu, peut se réjouir de quoi? De sa position élevée sur le plan spirituel. Mais écoutez ce qu'on dit du riche. Le riche a toutes les raisons de se réjouir. Mais de quoi? De sa fragilité humaine. De sa fragilité humaine. Mais l'apôtre Paul dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, verset 4, le chapitre 4, le verset 17, écoutez ce qu'il ajoute. Le riche a en Christ le poids éternel de gloire. Le riche sait que son entreprise et ses richesses passeront. Il sait que sa renommée disparaîtra comme une fleur qui est exposé à la chaleur ardente du soleil, qui se flétrit et qui perd de sa beauté. Le riche doit le savoir. Je dis bien le riche chrétien. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Que ça soit pour le riche ou pour le pauvre, l'espérance dans les choses éternelles est une preuve d'une foi véritable. Amen. Vous êtes riche, vous êtes pauvre, mais vous espérez en des choses éternelles. Vous avez la foi. La troisième obligation,
agir avec amour. Celui qui demande la sagesse, quand vous demandez la sagesse d'être sage, il faut savoir une chose. C'est une résolution que vous prenez consciemment et cette résolution doit être inspirée par l'amour. Dieu bénit effectivement celui qui supporte les épreuves patiemment et avec amour. Vous supportez les épreuves, vous êtes dans des épreuves. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Celui qui supporte patiemment et avec amour, il recevra la couronne de vie. La Bible nous parle de plusieurs couronnes, mais dans ce contexte, la couronne de vie fait allusion à la vie, d'une part à la vie terrestre, la vie que vous menez aujourd'hui, la vie que nous menons aujourd'hui. Vous serez heureux et prospère sur tous les plans. La vie terrestre dans toute sa plénitude. Et d'autre part, elle fait allusion à la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui aiment Dieu. Donc l'amour sincère pour Dieu, qu'est-ce qu'il permet aux croyants qui passent par les épreuves? Si vous êtes croyant et vous avez l'amour sincère pour Dieu, c'est le repos. Vous allez vous reposer avec confiance en Dieu. Et quand vous voyez un frère et une sœur qui persévèrent malgré, je dis bien les épreuves, sa ténacité révèle son amour pour Dieu. Amen. Donc, demandez la sagesse divine avec foi, avec espérance et amour apporte des grandes bénédictions. Par ailleurs, elle nous donne des victoires particulièrement dans diverses tentations qui nous dérangent. C'est le sujet du deuxième sous-thème, les tentations. Nous avons dit que dans les deux thèmes, les sous-thèmes, il y a des ordres que le Seigneur nous donne. En ce qui concerne les tentations, qu'est-ce que le Seigneur nous ordonne aujourd'hui? Nous sommes appelés à surmonter les tentations avec fermeté. Tout à l'heure, nous avons parlé des épreuves. Les épreuves viennent de l'extérieur. Et c'est Dieu qui permet les épreuves dans nos vies, parce qu'il a un objectif qu'il poursuit en nous. Développer ses desseins, découvrir les desseins et développer le caractère de Christ, on l'a dit. Mais ces épreuves qui viennent de Dieu, de l'extérieur, nous exposent aussi à des chutes. On ne réussit pas toujours aux épreuves. Il en est de même des tentations. Les tentations sont nos propres désirs. Ce sont des incitations au péché qui viennent d'où? Pas de l'extérieur, de notre fort intérieur. Les tentations nous exposent dangereusement à de multiples chutes. Tout comme une mauvaise réaction aux épreuves fait obstacle à la croissance et donc à la maturité spirituelle, de la même manière, une mauvaise réaction aux tentations gêne la croissance et la maturité spirituelle. Voilà pourquoi, pour éviter une mauvaise réaction aux tentations, pour mieux résister à tout ce qui nous incite à pécher, nous devons connaître trois choses.
la source des tentations, les différentes étapes des tentations et bien entendu la solution. Quelle est la solution aux tentations? Qui n'est pas tenté ici? Qui n'a jamais été tenté? Si notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, a fortiori nous. La source des tentations. Ceux qui trouvent, et ça nous caractérise, hein, nous trouvons des excuses à nos péchés. Nous refusons de nous regarder en face quand nous péchons. Nous cherchons à nous libérer de nos responsabilités en matière de péché. Nous accusons les autres. Cette façon de se comporter, cette attitude, c'est une façon de dire que c'est Dieu qui nous tente. Est-ce que Dieu nous tente? Dieu nous met plutôt à l'épreuve. Il ne nous tente jamais. Et il ne peut lui-même être tenté. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a aucun mal. En d'autres termes, Dieu ne nous pousse jamais à commettre des mauvaises actions parce qu'il n'a rien à voir avec le mal. Et il n'incite personne à pécher. Donc, le péché vient de notre propre intérieur, de notre vieille nature, cette nature qui est mauvaise, de la nature déchue, de la nature irrégénérée. Voilà ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 15, le verset 19e. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Bien-aimés, lorsque nous sommes attirés et amorcés par les convoitises, qu'est-ce que nous sommes en train de faire contre nous-mêmes? Nous sommes en train de construire des pièges. Et dans ces pièges, nous mettons nous-mêmes des appâts. Vous savez comment on construit les pièges? Ou les pêcheurs, ils savent comment ils font, hein? Tu construis toi-même des filets et tu mets l'appât. C'est pour faire quoi? Mais c'est pour tomber. Mais quand tu tombes, tu deviens puissant. Non, tu deviens impuissant. Cependant, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons chasser de notre cœur toutes les pensées coupables. En chassant nos pensées coupables, en nettoyant tout ce qui est de mauvais en nous, ne laissons pas le cœur vide. Hein. Il faut fixer notre attention sur quoi? Sur les choses saintes et pures. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, toutes ces choses doivent faire l'objet de nos pensées. Bien-aimés, si vous vous êtes déjà trouvés dans des moments de tentation, ça nous arrive à nous tous, et des moments de forte tentation, regardez très bien, même à l'église, vos regards vont tourner vers qui, vers quoi? De fortes tentations, qu'est-ce qu'il faut faire?
nous devons invoquer le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons invoqué plus le nom du Seigneur et les attributs de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que son nom, c'est une tour forte. Puisque vous êtes enfant de Dieu et juste, quand le juste s'y réfugie, il est en sécurité. C'est une sûreté pour lui, il se trouve en sûreté. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, faites déjà ce geste de vos pensées, de vos cœurs. Chassons les mauvaises pensées. Gardons les pensées qui sont sûres et saintes. Et réfugions-nous sous le nom de notre Seigneur, qui est tout, qui est pour nous une tour forte et une sécurité. Amen. Quelles sont les étapes des tentations? Nous les trouvons dans les versets 15 et 16. On va bien l'illustrer. On a parlé de conception, hein? La convoitise conçoit. Quand on conçoit, on donne un enfant. Mais ici, l'enfant, c'est qui? C'est le péché. Le péché étant consommé, il fait quoi? Il produit la mort. Bien aimé, ceci est un avertissement sérieux pour chacun de nous. Nous ne devons pas nous laisser séduire par nos propres désirs. À aucun moment, vous vous laissez séduire, nous nous laissons séduire. Qu'est-ce qui nous attend? L'avilissement. L'avilissement, sur tous les plans. La convoitise conçoit et donne naissance au péché. Analysons. Le père de ce nouveau-né, qui est le péché, qui est-il? Même s'il n'est pas cité, c'est sans nul doute ça, hein? Satan. Vous n'y croyez pas? Bien, ce nouveau-né, il donne un nouveau-né. Regardez le péché. Le péché est-il beau à contempler, hein? Ou à caresser ainsi de suite? Moi, en tant que chirurgien des malformations, ça m'a donné une image très claire. Le péché donne un enfant mal formé dès la naissance, malformation congénitale. Donc dès la naissance, l'enfant est mal formé. Je ne dis pas que ceux qui ont des enfants mal formés ici, c'est le produit du diable. Non, non. Cet enfant mal formé, au lieu de mourir, il grandit. Et il grandit, il grandit. Il donne naissance. Regardez un peu ça, la croissance du péché. Quelle grossièreté! Il donne naissance à un mort-né. Nous recevons beaucoup de morts-nés, hein? Mais ici, ce n'est pas un mort-né au sens littéral. C'est une forme de mort vivante. Et cette mort vivante, comme on dit, est tridimensionnelle. La première dimension, je la définis sans donner le mot, c'est la perte de communion avec Dieu. Celui qui n'est pas en communion avec Dieu, on voit comment il se comporte. La deuxième dimension, c'est la mort physique. Nous sommes tous appelés à mourir un jour, que tu le veuilles ou non. À moins que le Seigneur revienne ici, les morts ressuscitent les premiers, ceux qui sont enlevés, transformation. Le Seigneur revient bientôt, ce n'est pas demain. Donc la plupart d'entre nous ici, presque nous tous, nous connaîtrons la mort physique de toute la postérité d'Adam. Enfin, ce qui est la troisième dimension, c'est la mort éternelle. Bien-aimé, que cette mort, que notre mort physique ne nous surprenne pas dans l'état du péché. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est la séparation finale et éternelle.
d'avec Dieu. Et celui qui est séparé c'est éternellement avec Dieu, ça veut dire qu'il est séparé de toutes les bénédictions éternelles de ceux qui aiment le Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous pensons et nous repensons, ça arrive hein, à tout le monde. Tu es là dans ton lit. Non. Tu es là avec ta tablette. La tablette. Et vous laissez les tablettes aux enfants voir n'importe quoi. Adulte, tu es là seul, souriant. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Tu regardes quoi? Je vous pose la question. Vous regardez quoi qui vous donne tant de joie? Et là, vous regardez, vous êtes seul, hein? Quand quelqu'un s'approche, vous savez ce que vous faites. Vous cachez. On regarde des choses qui sont interdites. Des mauvaises choses remplissent nos pensées. Et on les caresse, on les nourrit, on les entretient. Fin de fin, qu'est-ce qui arrive? On finira par les commettre. C'est pas vrai. Mais c'est ce qui est arrivé à David. La convoitise l'a amené où? Dans son aventure avec Bathsheba. À tomber. De quelle manière? Bien-aimé, une bonne réaction aux tentations nous fait croître jusqu'à la pleine maturité spirituelle. Une mauvaise réaction à la convoitise, c'est la vie spirituelle déplorable. La vie spirituelle déplorable. Je ne m'adresse pas aux païens. Je m'adresse aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Gloire à Dieu. Il y a une solution pour éviter cette issue déplorable. Quelle est cette solution? Quelle est la solution à nos tentations? La solution à notre convoitise? C'est dans les versets 17 et 18. Bien-aimés, la convoitise sans frein entraîne la mort. Mais cette mort nous plonge dans l'obscurité, dans les ténèbres. On donne cela, c'est pour donner le contraste avec quelque chose d'autre. La mort et les ténèbres contrastent de façon nette et absolue avec l'éclat de la vie nouvelle. Amen. Mais d'où nous vient cet éclat de la vie nouvelle? Nous tous qui sommes ici, c'est de la parole de vérité, c'est de la parole de l'évangile que nous avions eu à entendre. Ce n'est pas parce que mes parents, mon oncle, ma tante est chrétien, c'est pour ça que je suis dans sa maison, je suis devenu chrétien. Non, tu as entendu la parole de vérité, la parole de l'évangile. Le père des ténèbres engendre le péché. Et le péché conduit ou produit quoi? La mort. Nous avons décrit la mort. Par contre, le Père des Lumières, nous l'avons invoqué ici sous tous ses attributs, ses noms et ses attributs, grâce à qui nos noms sont inscrits au ciel, celui qui a fait de nous ses prémices. Le Père des Lumières, c'est le salut et la vie éternelle, la vie en abondance. Bien-aimé, le Seigneur des Lumières est immuable. C'est d'en haut et de lui que viennent ce que nous appelons, ce que la Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait. Tout cadeau parfait, tout ce que nous pouvons imaginer de parfait
Ça vient d'en haut. Donc la solution à nos tentations se trouve où? Auprès du Seigneur. Nous avons dit qu'il est immuable. De façon, imaginons, on le dit, en lui, il n'y a point d'ombre, de changement et de variation. Et que devons-nous faire? Que devons-nous faire vis-à-vis de celui grâce à qui nos noms sont inscrits au ciel? Nous devons faire quelque chose de très important. C'est de créer une relation étroite avec lui. Entretenir régulièrement, quotidiennement, une communion très intime. La meilleure façon d'entretenir cette relation étroite et cette communion profonde, c'est l'étude et la méditation de la parole de Dieu. C'est la lecture intelligente, comme on dit, des Écritures. Les théologiens disent, c'est l'exégèse et l'herméneutique. Vous étudiez la parole de Dieu. Dieu vous parle. Il faut compter sur cette parole. Il ne faut pas se contenter de l'écouter. Vous l'avez saisie, vous l'avez comprise. Dieu attend de vous une réponse positive. Et cette réponse doit être constante. Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, que je parle en très bon français et en mauvais français, il faut donner une réponse positive et constante. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens nés de nouveau, pardon. Et la Bible dit que nous avons l'avantage d'être les prémices de Dieu. En tant que nouveau-nés, prémices, nous n'avons pas le droit de céder à la tentation. Que devons-nous faire? La tentation, c'est une force mortelle. La tentation tue. Et nous avons parlé de quelle mort, hein? Triple mort. Vous êtes vivant, hein? Mais vous êtes un mort. Que la mort ne vous surprenne pas dans cet état-là. Il faut résister. Dans quel but? C'est pour parvenir à la maturité spirituelle. C'est Dieu qui désire que nous puissions parvenir à la maturité spirituelle parce que nous sommes ses enfants de lumière, à moins que vous ne soyez pas enfants de lumière de Dieu. Là, nous sommes en train de découvrir quelle est l'intention de Dieu pour chacun de nous en tant que prémisse. Au premier culte, nous avons dit que le pasteur Joseph Bondo est allé pour... C'est une action évangélique. À quoi sert l'évangélisation? Vous êtes l'ordre suprême, nous concerne nous tous. Puisque ça nous concerne nous tous, en tant que prémices, nous devons être des modèles pour le monde. Le royaume de Dieu doit s'étendre sur le plan numérique et sur le plan spirituel. Vous êtes des modèles afin que le royaume de Dieu croisse. De quelle manière? Par une moisson spirituelle. En d'autres termes, par des nouveaux convertis, des gens qui donnent leur vie au Seigneur par votre ministère. Bien-aimés, écoutez ce que le Seigneur dit concernant la parole, les prémices. Il est en train de vous vanter. Il est en train de dire du bien sur vous. Les prémices, la première partie de la récolte. Je comprends, vous n'êtes pas des agriculteurs, vous ne plantez pas. Mais celui qui plante, la première partie, c'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur nous demande hein, les prémices. On fait quoi de ces prémices? C'est consacré au Seigneur. C'est celle-là qui est de bonne qualité. Amen. Et vous êtes les prémices du Seigneur
des modèles, des premières qualités. Et à travers vous et grâce à vous, la moisson à suivre sera abondante. Si cette église ne grandit pas, à qui la faute? Pas de réponse. Si l'église ne grandit pas, heureusement l'église grandit, elle a donné des filles. Voilà, nous sommes là, nous revenons à la source, la borne. Je me rappelle, j'habitais chez mon oncle au Kambadiading. Aujourd'hui, je viens vous parler. Autrefois, c'était la crainte d'entrer ici. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on se tient devant la chair. Pour terminer, bien-aimés, Dieu bénit effectivement ceux qui, par leur vraie foi, font quoi? Supportent avec joie les épreuves, pas les tentations, les épreuves. Et surmonte avec fermeté les tentations, les convoitises. Parce que guidé par la sagesse divine, le comportement ne peut que changer. On devient ainsi spirituellement mûr. Et comment se manifeste cette maturité? C'est la vie pieuse. Elle est visible. On sait dire que telle sœur, tel frère, ils sont pieux. Bien-aimés, pour terminer, on a été un peu rapide. Nous avons deux requêtes et deux obligations. Là, nous sommes en train de nous examiner nous-mêmes. Examine, bien-aimés, ma sœur et mon frère, dans ta vie. Qu'est-ce qui caractérise ta vie aujourd'hui? Le zèle amer, l'esprit de dispute, les mensonges. Si ces choses caractérisent votre marche, vous savez d'où elles viennent. Ce qu'elles expriment, c'est la sagesse terrestre. Maintenant, qualifiez la sagesse terrestre. Comment elle est-elle? Elle est charnelle, là on accepte. Elle est diabolique, il ne faut pas accepter. La sagesse terrestre, la sagesse qui est charnelle, qui est diabolique, va vous pousser à poser des bonnes actions. Non, ça nous pousse à poser des mauvaises actions. Si tel est ton cas, répands-toi. Répentons-nous. Et la première requête, en quoi doit-elle consister? Nous devons demander la sagesse divine. Celle qui vient d'en haut, où sont inscrits nos noms? Tu es sûr que ton nom est là, est inscrit? Demande avec foi et espérance, sans douter. Et que c'est l'amour qui doit t'inspirer. L'amour divin qui doit t'inspirer. Tu demandes cela. Ça se verra dans la suite. La sagesse d'en haut, contrairement à la sagesse terrestre, charnelle et diabolique, la sagesse divine, nous l'avons lue, elle est pure. Elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, Aïe, 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 les élections. Que les élections ne nous divisent pas. Amen. Elle est pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, exempte de duplicité. Quand vous parlez qu'on ne voit pas en vous deux choses, une apparente et l'autre n'est pas apparente. Exempt d'hypocrisie, il n'y a pas d'hypocrisie. Elle sème la justice dans la paix. Vous êtes appelé à diriger ce pays, quel que soit le niveau. Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce qui élève une nation?
la justice. Faites-le dans la paix. La sagesse d'en haut pousse à poser quel genre d'action? Des mauvaises actions? Non. Celui qui a la sagesse d'en haut, on le voit par ses œuvres. Ses œuvres sont bonnes. Amen. Quelle est la requête? Implore Dieu afin que cette sagesse se manifeste par des bonnes œuvres. La deuxième requête. Maintenant, nous nous tournons. Là, nous avons vu notre façon de marcher. Nous regardons maintenant dans notre cœur. Examinons nos cœurs. Ne regarde pas ta voisine ou ton voisin. Regarde-toi toi-même. Tes propres caméras, tu les diriges où? Dans ton propre cœur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les pensées qui remplissent ton cœur? Quelles sont les pensées? Si ce sont les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies, répands-toi. Répands-toi. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en cela que consiste la deuxième requête. Il faut chasser. Il faut chasser. Ne chassez pas les épreuves. On en a parlé tout à l'heure. On ne chasse pas les épreuves. Qu'est-ce qu'il faut chasser? Les mauvaises pensées qui sont dans ton cœur. Chassons de nos cœurs les mauvaises pensées. Et demandez au Seigneur de faire quoi? De nous remplir avec des pensées qui lui sont agréables, des pensées qui l'honorent, des pensées qui l'élèvent de telle sorte que quand nous le louons, nous prions, nous demandons quelque chose, puisque nous avons fait de sa parole, c'est nos délices, Dieu ne peut nous donner que ce que désire notre cœur. Peut-être c'est pour ça, vous priez, vous demandez, rien n'arrive. Mais quelles sont vos pensées? Vous les gardez, vous les entretenez. Qu'est-ce qui honore Dieu? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est vertueux, qui mérite l'approbation et qui est digne de louange. Quand nous louons le Seigneur, nous savons pourquoi nous le louons. Ainsi, avec une foi fervente en Christ. Vous avez une foi fervente en Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons des relations parfaites. Et on va expérimenter. Vous avez des relations parfaites entre vous et avec le Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, les relations sont au beau fixe. Et sur le plan vertical, vous aurez de bonnes relations. De un, de deux, progressivement. Vous allez croître spirituellement et vous allez tendre vers la stature parfaite de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Tous nous sommes en train de tendre vers la stature parfaite de Christ. C'est ce que le Seigneur est en train de chercher avec chacun de nous. La stature parfaite de Christ, la ressemblance à Christ. Nous ressemblons à Christ. Le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous donne des capacités spirituelles, des capacités acquises, des talents. C'est pour faire quoi? C'est pour que nous soyons heureux et prospères sur tous les plans, ici sur la terre. Les deux choses sont réunies. Ce n'est pas en vain que le Seigneur, il nous bénit ici sur terre. Mais quelle est notre décision par rapport à tout ce qu'il nous dit?
deux ordres. Je vais répéter deux ordres pour terminer. Le premier ordre, bien-aimés, nous devons supporter les épreuves avec joie. Réjouissez-vous. Quand les épreuves surviennent, mais qu'elles rencontrent votre foi, vous verrez les bénédictions. Le deuxième ordre, nous devons surmonter les tentations avec fermeté. Il faut être ferme. On ne joue pas avec la mort. La convoitise nous amène où? Au péché. Et le péché, c'est quoi? La mort, sous toutes ses dimensions. Qui est prêt à obéir à la parole de Dieu? Qui se lève? On va prier. Que Dieu vous bénisse. C'est un moment où nous sommes en face de la parole de Dieu qui est comme un miroir. Commençons déjà à prier et que chacun se recommande par rapport à ce qu'il a entendu. Êtes-vous encore dominé par les tentations et vous chutez, vous donnez des excuses, repentez-vous de cette manière de vivre. Il ne fallait pas que je mange. Vous êtes vu, vous êtes tombé dans des pièges que vous avez tissés vous-même en jouant avec le péché, l'occasion de vous repentir, de crier à Dieu, Seigneur, sors-moi de cette situation. Je veux aller vers toi, je veux grandir. Vous êtes dans l'épreuve, n'empruntez pas des raccourcis. Laissez le Seigneur, dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de t'aider, d'attendre. Quelqu'un qui est sur la table d'opération ne descend pas tant que l'opération n'est pas finie. Il ne peut pas descendre lui-même et partir, non. Le Seigneur fait un travail. C'est difficile. C'est difficile. Demandez la force. Que le Seigneur vous communique la joie de son esprit. Dieu est fidèle à sa parole. S'il demande de supporter avec joie les épreuves, c'est qu'il est capable de produire une joie, quelle que soit l'épreuve. Il est capable. L'homme n'est pas capable, mais Dieu est capable par son esprit. Et vous êtes en face des tentations, prenez la décision de résister. Les tentations d'argent, manipuler des sommes et devant la dureté de l'employeur, vous avez cette tentation de vouloir carrément vous servir vous-même. Résistez. Résistez. Tentation devant le sexe opposé. Vous avez des sollicitations du patron. Résistez. Heureux ceux qui résistent patiemment. J'aimerais que ceux qui peuvent vraiment se lever, se lèvent et parlons au Seigneur. Il est là pour nous, c'est ici la source où nous devons puiser l'énergie spirituelle pour affronter les réalités qui viennent la semaine. Alors ne vous en privez pas, c'est ici, vous êtes en face de votre Dieu, de votre Père si vous êtes enfant de Dieu. Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'avez aucune assurance, vous êtes perdu. Dites au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, fais de moi ton enfant. Ô Jésus, viens à notre secours. Viens à notre secours. Seul sans toi, nous ne pourrons pas. Ta parole nous défie
Ta parole nous pousse à aller de l'avant, mais nous réalisons combien nous avons besoin de demeurer attachés à toi. Ô Jésus, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendra le vent et les épreuves et les tentations, c'est pour te permettre de t'enraciner en Jésus. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister, Jésus. Ne me laisse pas tomber, mon papa. Mon yaya, ne me laisse pas tomber. Dis au Seigneur de ne pas te laisser tomber. Seigneur, ne nous laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber, Seigneur, mon frère, ma sœur, qui de tout son cœur crie à toi, qui s'est trouvé mise à nu devant le miroir de ta parole, mais crie à toi, ô Jésus. Ô, ne nous laisse pas tomber. Tu es notre aide sûre, tu es notre secours sûr. Nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur. Ô, béni sois-tu. Tu es un abri sûr dans les tempêtes. Oui, comme le serviteur l'a dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Jésus, ne me laisse pas tomber. Oh, Adonai, ne me laisse pas tomber. Mon Yahweh, ne me laisse pas tomber. Merci Seigneur pour ta parole. Permets par la puissance de ton esprit qu'elle continue de faire son œuvre dans chaque cœur. Merci Père. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs, qu'elle renverse les obstacles, qu'elle renverse les raisonnements, les résistances à la vie de Dieu et à la maturité spirituelle à laquelle tu nous destines, Seigneur. Tu nous veux à ton image. Oui, nous le voulons. Si tu le veux, dis au Seigneur, oui, je le veux. Je veux être à ta maturité, Seigneur. Je veux te ressembler. Et à cette heure aussi, nous voulons te dire, Seigneur, accepte notre offrande, accepte, Seigneur, nos dîmes, accepte nos contributions diverses et bénis-les, sanctifie-les, Seigneur. Ô Jésus, qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Bénis la main qui donne et bénis l'utilisation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous voulons aussi à ce stade accueillir ceux qui sont avec nous, qui sont venus prier avec nous pour la première fois.
vous n'avez jamais prié ici à la borne, peut-être vous nous avez déjà suivis par les médias, les chaînes de télévision, la radio et même YouTube, Facebook, mais c'est la première fois que vous nous suivez. Si vous pouvez manifester afin que nous vous identifions. Merci, merci pour les mains qui se lèvent.